Donc on est devant l'hôtel Ibis où il y a une grève depuis 2 mois maintenant des femmes de chambre pour leur salaire, pour leurs conditions de travail, leur emploi, contre la sous-traitance et aussi contre toutes les formes de violence au travail qu'elles subissent. Hein. Ça va du harcèlement, y compris même, il y a une histoire de viol d'une femme de chambre récemment. Donc à l'occasion de cette grève-là, est discuté le lancement d'une campagne au boycott du groupe Accor et des hôtels qui appartiennent au groupe Accor, dont Ibis appartient. Et donc voilà, en soutien à cette lutte-là et en espérant que cette lutte-là tienne la route et arrive à faire reculer Ibis et puis puisse s'étendre aussi, parce qu'on sait très bien que dans la plupart des hôtels, c'est les mêmes conditions qui sont vécues par l'ensemble des salariés, et notamment les femmes de chambre, qui sont dans une très grande précarité. Donc voilà, il y a une grève aujourd'hui, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres demain, mais dans tout ça, ce qui est important, c'est de soutenir, d'aider à ce que ce mouvement-là se renforce et puisse changer la donne. Donc voilà, la campagne qui est lancée à partir de ce jeudi, c'est important, tous ensemble, et on boycotte la chaîne Accor.